L'expérience avec Peter était extraordinaire parce que depuis le début, quand j'ai travaillé avec Peter, on est venu immédiatement à Deauville. Moi, je connaissais lui aussi. Donc, c'était très facile de se retrouver sur la plage et de partager ces moments uniques avec les premières photos de Naomi Campbell en Joséphine Baker pour le Vogue Italie à l'époque, ou Catherine Deneuve pour le Vogue France, qui sont des photos absolument mythiques, iconiques de l'œuvre monumentale de Peter. Et j'ai travaillé de manière extraordinaire sur cette plage avec lui. Quel grand photographe a pour vous le mieux immortalisé cette ville? C'est les photos avec Lindbergh. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus beau que la plage de Lindbergh, même la photo qu'il a fait de moi là. La bâche, regardez ça, c'est extraordinaire, la bâche de Deauville sur la plage. C'est une poésie totale, c'est Deauville, c'est des moments de rêve, des souvenirs incroyables, et pas seulement des souvenirs, parce que je vais continuer à travailler ici. On a fait des photos extraordinaires pour Numéro. C'était une série où un ange était sur la plage, donc avec des ailes blanches. Et c'est Peter encore une fois, et c'était sur les planches. Et cet acteur Pascal Grégory en manteau noir, et c'était somptueux. On a fait Vincent Cassel aussi, on a fait des tas de choses. On va réaliser d'autres séries, évidemment. Encore et encore et toujours. Parce que c'est une ville que j'aime du fond du cœur. L'inspiration y est sans borne pour moi. Depuis un homme et une femme jusqu'à maintenant, ça continue, toujours différemment, toujours autrement, mais c'est toujours magnifique.